Rebonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je parle, et quoi de mieux pour cette nouvelle vidéo que de faire l'épisode 2 des tréfonds du Play Store. Et pour cet épisode, je vais vous sortir un jeu téléchargé sur le Play Store il y a plusieurs mois, mais qui a malheureusement disparu de ce dernier. J'ai nommé Dropical. Ce jeu est très simple, pas besoin de connexion internet pour y jouer. C'est noté... Ouais, c'est vrai qu'il est plus sur le Play Store. Enfin bref, commençons à en parler. Dans ce jeu, vous incarnez un petit carré orange avec des yeux et une bouche, toutes les logiques, et vous devez prévoir où il va atterrir. Dans chaque niveau, vous avez d'autres carrés, pas vivants ceux-là, de taille aléatoire, placés un peu partout au hasard. Donc, si vous réussissez à prévoir à peu près sa zone d'atterrissage, un point et vous passez au niveau suivant. Si vous prévoyez parfaitement la zone d'atterrissage, ou si vous avez de la chance, vous gagnez une vie. Et j'ai oublié de vous préciser que quand vous lancez une partie, vous avez 3 vies. Ensuite, troisième option, vous vous foirez complètement et vous perdez lamentablement une vie. Dommage! Penchons-nous maintenant sur l'aspect sonore du jeu. C'est une musique sur le menu et une musique dans le jeu, et quelques bruitages par-ci par-là, notamment quand vous perdez. D'ailleurs, notez qu'à ce moment, si vous tendez l'oreille, vous entendrez la musique du menu qui n'a pas été coupée au lancement de la partie et qui donc se chevauche. Et accessoirement, le seul paramètre présent est de couper la musique. Comme je le disais au début de la vidéo, il n'est plus sur le Play Store. Et j'ai beau chercher, rien non plus sur internet, à part 2-3 articles qui disent qu'il est sur l'App Store. Mais je peux pas vérifier parce que j'ai pas d'iPhone. À part ça, ce jeu est très sympa à prendre en main, et surtout il est simple. Description faite, je vous laisse vous abonner, liker la vidéo et regarder mes autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Ciao.